Ouais, la zone, avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voulais juste vous dire que j'aimerais bien reprendre le concept à Jorian. Je réagis à vos willings. Vous voyez laquelle ou pas? Et en gros, il faudra m'envoyer vos willings en vidéo dans mon email. L'email, vous le trouvez dans mon troisième compte TikTok que je viens d'ouvrir d'ailleurs. Je suis déjà 200 abonnés en 24 heures, je suis hyper content. Maintenant, je commence à bien manipuler TikTok. De toute façon, vous voyez quel type de concept c'est, parce que j'ai rien, tout le monde le connaît. Bref, c'est parti avec la vidéo, les gars. En gros, on va nettoyer ma voiture. En même temps, je vais vous la présenter. C'est une Golf 6R, stage 3, 400 chevaux, 410 chevaux pour être précis, 620 Nm. Elle est du 2010. Elle est du 2010. J'entends 19 pouces. Voilà, après, par contre, il n'y a pas la lame. Je viens de la recevoir, mais je l'ai toujours pas installée, la lame. Et d'ailleurs, j'ai aussi les quatre pneus là qu'il y a derrière là à installer. Bref, vous allez voir où on va l'installer dans une autre vidéo. La lame, c'est une Maxton. Là, pour l'instant, c'est parti. On va nettoyer la voiture ensemble avec le nouveau gadget que je viens de recevoir. Je l'ai acheté sur AliExpress, hein, le machin. Et vous allez voir, c'est franchement, il est tucard. Alors, comme ligne, la ligne c'est en fait, j'ai un 4 bacs Miltech et un downpipe Scorpion. C'est pour ça que ça fait beaucoup de bruit. Même si le 4 bacs Miltech, en gros, il a des valves électroniques qui s'ouvrent à 3000 tours. Par exemple, là, vous voyez, là, je suis à 2000 tours. On n'attend pas trop la voiture. Alors, si j'accélère, on attend très fort la voiture. En fait, pour la faire engueuler, faut arriver vraiment après les 3000 tours. Il a un léger pas possible, écoutez. Voilà, léger, soft, soft. J'ai voulu mettre un pop soft parce qu'en gros, bah, c'est dangereux pour le moteur à ce qui paraît. Même si y a des gens qui ont des pop vraiment hardcore et qui leur moteur il tient bien quoi, mais franchement ça c'est des mythes à mon avis, hein. C'est ce que je pense, c'est des mythes par rapport au pop. À mon avis c'est les moteurs qui cassent, c'est juste parce que le stage est mal fait, la reprogrammation à mon avis. Après voilà, chacun ses avis les gars. Bon, on vient d'arriver à la station de lavage, on va lui mettre un coup de lavage, un coup de nettoyage à la voiture, parce que je vous explique. La voiture, ça fait 3 mois qu'on arrive parce que j'ai un injecteur qui déconne. J'ai déjà acheté les 4 injecteurs, mais il faut que je les change. Et depuis 3 mois, la voiture, je ne l'ai pas roulée. Depuis 3 mois, la voiture, elle est à l'arrêt. Ah, mal au bruit, mon seigneur. Ouais, d'ailleurs, la boiserie, là, il s'est fait arnaquer, il s'est fait arracher, il s'est fait acquérir son compte YouTube, Miskin. Le gadget que j'ai reçu là, que je vous disais, c'est celui-là. On va l'essayer. Thank you.
Seigneur, ça c'est de l'auto ça. Ça c'est de l'auto ça. Maman mon Seigneur. Maman mon Seigneur. Maman. Ça c'est de l'auto ça. Ça c'est de l'auto ça. Bref. Voilà, petite vidéo vite fait hein. On va ajouter la lame hein, de ces quatre. Je sais pas quand mais on va l'ajouter. Ça, je l'ai acheté sur AliExpress. Magnifique. Franchement, ça vaut le coup. Bref, les gars, je vous explique. Je vous re-explique parce que tout à l'heure, il va être trop bon. Alors, j'ai les 4 injecteurs d'Audi RS3. Pompe de basse pression, TT, RS, Audi RS3, c'est les mêmes. Pompe de haute grosse pression, Vis Motorsport. La valve Audi RS4. Dans valve TT, RS, Audi TT, RS. Les bobines Audi R8, NGK. Putain, je suis sûr j'en oublie hein. Bref, après niveau échappement, on a le downpipe Scorpion, 4 bacs Miltech avec les valves électriques. Et voilà l'équipe. Je crois que j'ai tout dit. Bref, voilà, c'était une petite vidéo comme ça, juste pour vous présenter ma voiture. On ira faire une autre vidéo plus détaillée. Ah ouais, voilà, j'ai un ciel de toit, ciel étoilé. Moi j'appelle ça, c'est l'étoilé. Après là, je sais pas si vous voyez, mais il y a les 4 pneus qu'on va changer. On a 4 pneus à changer. Et on a aussi 4 disques et 8 plaquettes à changer. Brembo perforé. Bref, on fera ça dans une autre vidéo, l'équipe. Je vous fais réécouter le sound vite fait. Bref, voilà l'équipe, c'est tout. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Abonnez-vous si c'est le cas et likez la vidéo. Partager à max parce que faut que je dépasse la boiserie, l'acrobate et tout le monde. Faut que je sois le premier sur YouTube, les gars. Allez, bise.